Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, en tant que votre frère, que je vous salue tout chaleureusement, et dans le nom qui est au-dessus de tout nom, avec un souhait dans mon cœur, et que vous tous qui suivez ces émissions, que vous puissiez expérimenter Dieu. Je ne vous attire pas dans une communauté faite de mains d'hommes, je ne vous attire pas vers des credos, des dogmes faits de mains d'hommes, Mais mon souci est que tous ceux qui écoutent cette parole, tous ceux qui sont connectés dans ces émissions, qu'ils puissent expérimenter Dieu, qu'ils puissent faire des expériences véritables avec Dieu, que vous puissiez réellement naître de nouveau, que vous puissiez réellement expérimenter la sanctification, que vous puissiez réellement expérimenter une totale délivrance de votre corps, de votre âme, et que tous les démons qui vous tourmentent puissent vous quitter, et que vous puissiez dire: en tout cas, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, je vous dis tout le temps que Dieu vous aime. L'amour de Dieu, d'abord, a été manifesté envers chacun de nous, le fait que Dieu a voulu que tu sois vivant, que tu puisses naître sur la terre. Tu es le fruit d'une sélection. Vous étiez nombreux dans la semence de votre papa, et il n'y a que toi qui as survécu, c'est déjà un geste d'amour donc qui doit manifester pour toi. Maintenant, quand Dieu t'a donné cette vie, c'est pour que tu puisses vivre pour sa gloire. Mais quand tu prends maintenant cette vie qu'il t'a donnée pour la consacrer au diable, pour servir le diable, alors la colère de Dieu sur toi sera sans remède. C'est-à-dire que tu prends cette vie, Dieu t'a donné bonne santé, mais cette bonne santé, c'est pour te prostituer. Cette bonne santé, c'est pour vivre dans la débauche. Cette bonne santé, c'est pour aller trouver des féticheurs, vendre ton âme au diable. Et toutes ces choses-là, sache que ton jugement sera terrible. C'est pourquoi tous ceux qui refusent le salut que Dieu nous offre en Christ, leur jugement sera terrible. La colère de Dieu sera sans remède. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, votre peau, votre tribu, votre pays, je voudrais simplement que Dieu vous aime. Et il a voulu que tu sois en contact avec sa parole, et non pas avec les credos, les dogmes des églises, mais avec la vraie parole, parce que nous sommes censés croire, comme disent les Saintes Écritures. Et si nous croyons comme disent les Saintes Écritures, nous serons aussi conduits dans l'obéissance totale à sa parole. Ainsi, merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci pour vos dons financiers, parce que nous en recevons, et qui nous aident à faire ces émissions, qui nous aident à couvrir le budget de ces émissions, parce que et tout ça n'est pas gratuit, et que Dieu vous bénisse pour cela, et que Dieu vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et la seule chose que je demande à toutes les personnes qui m'envoient des messages, des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie, au travers de ces émissions, je dis simplement, la chose que vous pouvez faire pour nous, c'est de prier pour nous, pour que Dieu nous donne toujours la capacité de continuer à le servir, non seulement le servir lui, mais à servir son peuple. Et en servant son peuple, nous servons aussi ce même Dieu-là. Est-ce que Dieu vous bénisse? Pendant qu'encore une fois, nous savons qu'il est le seul qui a droit à la parole dans son Église. Nous allons seulement dire: Seigneur, pendant que nous sommes là, comme le petit Samuel te l'avait dit, parle Seigneur pendant que nous, tes enfants, nous, tes serviteurs, nous écoutons. Et nous voulons qu'il l'utilise, l'homme qui est devant vous, pour pouvoir transmettre sa pensée, transmettre sa parole. Est-ce que Dieu vous bénisse? Et ayez la véritable foi de Dieu, soyez de véritables croyants, ne défendez pas des communautés divines, ne défendez pas des pasteurs, des évangélistes. Je ne dis pas qu'il faut aussi les piétiner, non, il faut du respect pour l'œuvre de Dieu, pour ses serviteurs. Mais en premier lieu, votre premier amour, le tout premier, écoute Israël, l'Éternel ou le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Ainsi que Dieu nous assiste et que Dieu nous bénisse pendant qu'une fois nous sommes rassemblés autour de sa table et que lui-même puisse nous nourrir de la manne cachée que le monde ne connaît pas. Parce que si vous entendez ces émissions, le monde ne connaît pas
même de grands théologiens ouvrent des grands yeux quand ils écoutent ça. Mais ce sont des choses qu'il a gardées pour ceux qui la connaissent d'avance. Même si les gens du monde peuvent écouter ça, mais regardez, ils peuvent écouter mais ne pas comprendre. Comme le Seigneur a dit aux Juifs qu'ils ont des yeux pour regarder, mais ils ne voient pas. Des oreilles pour entendre, ils n'entendent pas. Et ils ont un cœur pour croire, mais ils ne croient pas. Et afin que je ne sois pas obligé de les sauver. Alors nous allons nous tourner vers lui en disant, Seigneur, parle-nous, nous sommes disposés à t'écouter et nous avons l'assurance qu'il va encore une fois nous parler. Mes précieux frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes précieux pour moi. Pourquoi? Parce que vous êtes la véritable famille. Si réellement vous êtes un chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, alors je peux vous dire, vous êtes réellement mon frère, parce que c'est avec toi que nous serons dans l'éternité. Et là où il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus de maladies, et où nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Ainsi que Dieu Tout-Puissant nous assiste, pendant que nous sommes rassemblés autour de ce message. Vous savez, quand le Seigneur a parlé à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, et là, il a déployé beaucoup de signes qui vont s'accomplir au temps de la fin. Et les disciples, ils ont écouté ce qui est arrivé. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, ainsi de suite. Et il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines par-ci, par-là. Alors, ils ont posé la question, Seigneur, et tout ça, au temps de la fin, ça va se passer où? Et voici la réponse du Seigneur. Il va répondre à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, verset 27, verset 28, en disant, « Car comme l'éclair part de l'Orient et ne se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement ou le retour du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soit les graves. » C'est-à-dire que au temps de la fin, les aigles de Dieu vont se rassembler autour de ce cadavre fraîchement abattu, de la viande fraîche. Et ce cadavre-là, c'est la parole de Dieu manifestée pour cette heure. Parce que l'aigle n'est pas un charognard. L'aigle, il est un oiseau qui abat lui-même sa proie et qui la mange et qui nourrit ses enfants de bec à bec. Et le Seigneur dit ici, donc, en quelque lieu où sera le corps, en quelque lieu où sera la véritable parole. C'est pourquoi, au temps de la fin, les élus de Dieu se rassemblent non pas autour d'une charogne, autour d'un cadavre qui est en train d'être dans la putréfaction avec des vers. Regardez aujourd'hui, les gens se réclament que nous sommes, par exemple, des luthériens. Luther a vécu il y a autant de siècles, vers le 18e siècle, et le Dieu a continué à avancer, mais ils ne le savent pas, ils sont restés avec des dogmes qu'ils ont créés depuis le temps de Luther, et aujourd'hui, ils ont même opté pour l'homosexualité. Mais pendant que Dieu avance avec son peuple, vous comprenez, Dieu avance avec son peuple, et aujourd'hui, nous avons une nourriture que le monde ne connaît pas. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu qui est révélée pour aujourd'hui. Dieu nous a envoyé un prophète puissant. Au travers de son ministère, tous les mystères cachés dans la Bible nous ont été révélés, sauf les sept tonnerres. Les tonnerres prophétiques 10 n'ont pas été révélés. Mais tout le reste a été révélé. Comprenez? Et pour que nous puissions en vivre, tout a été révélé. Et nous voyons que nous marchons dans cette lumière. Nous marchons dans ce message, le message biblique du temps de la fin. Nous marchons et nous sommes éclairés. Nous connaissons des choses que même nos aînés dans d'autres âges n'ont pas connues. Dieu nous a révélé des mystères cachés, comme la semence du serpent. Ça, Luther ne connaissait pas. John Wesley ne connaissait pas. Et la vérité sur le mariage. Ça, Luther ne connaissait pas. John Wesley ne connaissait pas, Columba ne connaissait pas. Il nous a révélé ces choses au temps de la fin. Et nous sommes
plus instruits aujourd'hui que dans tous les autres âges. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la bataille finale. Nous sommes dans cet âge qui verra le retour de Jésus-Christ. Et pendant que nous attendons le retour de Jésus-Christ, c'est le seul âge où le Seigneur a été mis à la porte de l'Église. Ils ne veulent pas de lui. Dans Colossiens chapitre 3, verset 14, verset 21, verset 22, et le Seigneur dit, « Voici, je me tiens à la porte de l'organisation, des églises. » Et je suis en train de frapper à la porte. Et puis il dit, « Si quelqu'un qui est à l'intérieur, l'individu, entend ma voix en tant qu'individu, pas en tant que membre de la communauté de telle dénomination, et qu'il ouvre la porte, cette fois ce n'est pas la porte de l'organisation, mais la porte de son cœur. Moi, Jésus, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui souperai avec moi. Et celui qui vaincra, je vais le faire asseoir sur mon trône ou dans mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous sommes dans la bataille finale. Et nous sommes en train de parler de Abraham et de sa postérité après lui. Et nous sommes surtout en train de voir que dans tous les âges, Dieu n'a jamais utilisé des incrédules, Dieu n'a jamais utilisé des séminaristes, Dieu n'a jamais utilisé des moines, Dieu n'a jamais utilisé des théologiens, mais Dieu utilise des personnes que lui-même a choisies. Non seulement qu'il a choisi, qu'il a rempli. Non seulement qu'il a rempli, qu'il a envoyé. Donc, il faut, pour pouvoir servir le Seigneur, écoutez, il faut l'appel de Dieu. D'abord, il faut que vous soyez le choix de Dieu. Premièrement, que vous soyez le choix de Dieu. Deuxièmement, que Dieu lui-même vous appelle. Tu ne peux pas te placer toi-même dans le ministère. Il faut que Dieu lui-même t'appelle. Tu peux être très intelligent, tu peux avoir des licences, une licence en lettres, une licence en philosophie. Ça ne te qualifie pas pour prêcher la parole de Dieu. Il faut que tu aies été choisi avant la fondation du monde pour être un prédicateur. Il faut que Dieu t'appelle. Tu es là dans la foule. Dieu lui-même t'appelle. Regardez quelqu'un comme David. David ne s'est pas choisi lui-même pour devenir roi. Mais Dieu a envoyé Samuel à Bethléem, dans la famille d'Isaïe, parce qu'il dit, j'ai vu dans cette famille-là un homme selon mon cœur, c'était David. Et quand Samuel est arrivé, et il avait peur que si Saoul l'apprenait, il pouvait le tuer. Et il avait caché sa fiole d'huile dans ses vêtements. Et quand il est arrivé chez Isaïe, Isaïe était surpris de voir l'homme de Dieu arriver chez lui. Il dit, non, je suis en mission commandée. L'Éternel m'a envoyé pour oindre l'un de tes fils ici, en tant que roi. Et Isaïe a directement songé à son fils aîné. Et la bénédiction, c'est pour le fils, c'était pour mon fils Eliab. Et ça m'a dit, appelle-le. Et il appelle Eliab. Eliab était costaud, était majestueux, il marchait comme un roi. Quand Samuel l'a vu, il a dit, c'est certainement celui-ci, loin de l'Éternel. Et Samuel a sorti la fiole d'huile. Parce qu'en ce temps-là, quand on oignait un roi, on lui versait de l'huile sur la tête. L'huile d'onction. C'est un peu l'image du Saint-Esprit. Et quand il a sorti sa fiole d'huile, il s'avançait. L'Éternel l'arrête. Il dit, arrête-toi. Toi, tu vois ce qui frappe les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Ce n'est pas celui-ci. Je ne l'ai pas choisi. Nous regardons l'éloquence de la personne, comment il parle, comment il est, comment il fait des gestes au niveau de la chair, comment il se comporte. Mais le Seigneur prend les rejetés, le rebut de la société, et celui qui les prend et met sa couronne. Et on a appelé Aminadab le deuxième, on a appelé le troisième et de suite, et finalement, on a appelé David, qui était en brousse, qui n'était même pas à la maison. Et quand il est venu,
L'Éternel dit, c'est celui-ci, c'était le cadet. Le choix de Dieu, parfois, ils sont un peu surprenants. Comment Dieu a-t-il choisi cette personne qui a une apparence un peu modeste et n'est pas choisi celle-ci, qui a une apparence vraiment majestueuse? Les choix de Dieu ne sont pas discutables. Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, je vous l'ai déjà lu à maintes reprises, là où il est parlé des prédicateurs. Les prédicateurs ne sont pas formés dans des écoles de théologie. Je veux dire des prédicateurs de Dieu. Vos prédicateurs, à vous, oui. Ils ont des diplômes, ils ont terminé dans telle école biblique, il a un diplôme. Il est théologien de telle université, il a un diplôme. Dieu n'est pas là-dedans. Écoutez-moi bien, université, supprimez ces facultés-là de théologie. Ces facultés-là, vous formez dans ces facultés-là, excusez-moi, j'ai du respect pour tous ces gens à qui vous avez nos diplômes, mais vous formez simplement des embryeurs. Dieu n'a jamais autorisé à un homme d'enseigner à un autre homme sa parole. Dieu ne l'a jamais fait. Mais il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 45, qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Tu me diras, mais même dans l'église, parce que quand vous prêchez là, mais les gens sont enseignés. Oui, mais ce n'est pas moi qui enseigne. C'est le Saint-Esprit à moi qui vous enseigne. Parce que le Saint-Esprit, il est le seul conducteur qui nous conduit dans toute la vérité. La sagesse humaine, c'est de la folie devant Dieu. C'est de la folie. Vous voulez savoir cela, je vais lire ça tout à l'heure. Mais prenons d'abord Romains chapitre 10. Et à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je voudrais vous montrer que Dieu utilise uniquement des hommes que lui-même a choisis. Voilà ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, commençant par le verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, pas plusieurs seigneurs, pas une trinité de seigneurs, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom au singulier du Seigneur au singulier sera sauvé. Pas une trinité de seigneurs. Et verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà où apparaît les prédicateurs. Dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé essentiellement cette catégorie de personnes qu'on appelait les prophètes. Selon Hébreux chapitre 1, verset 1 et verset 2, il est dit qu'autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et il a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, hérité toutes choses. Alors il dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne, non pas qui a été formé dans une école de théologie, dans un séminaire, mes frères et sœurs même qui ont des diplômes de théologie. Ce diplôme, il est très bien, il est précieux. Pour avoir un travail dans un ministère, devenir même un ministre du gouvernement, vous êtes qualifié pour ça. Vous avez été formé pour bien raisonner. Mais ce diplôme, vous n'en avez pas besoin pour servir Dieu. Dieu n'exige pas ce diplôme. Regardez, le monde est tellement dans la confusion que dans plusieurs pays, et on dit, écoutez, pour pouvoir prêcher, il faut avoir fait la théologie, il faut un diplôme de théologie. Je pose la question à tous les législateurs. Montrez-moi dans cette Bible, parce que c'est ça notre constitution en tant que chrétien. Nous avons la constitution de notre pays, et il est dit dans
la plupart de toutes les constitutions, nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est un peu l'un des articles qui apparaît au début de chaque constitution. Nul n'est censé. Tu ne peux pas dire, écoutez, moi je ne connais pas ça. Non, tu es censé connaître ta constitution. Et nous aussi, nous sommes censés connaître notre constitution. Vous voulez nous gérer dans les choses de Dieu, bravo. Mais je vous pose la question, montre-moi un seul passage où un prophète ou un apôtre ou n'importe quel serviteur de Dieu a été formé dans une école avant que Dieu ne l'envoie. Vous êtes tous des chrétiens, vous êtes dans les églises. Prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Prenez Moïse, prenez Amos, prenez Ésaïe, qui sont reconnus comme étant des grands prophètes. Je vous pose la question, dans quelle école Moïse a-t-il été pour devenir prophète? Si ce n'est que c'est derrière le mont Horeb qu'il a rencontré celui qui l'a formé. Celui qui l'a formé, c'est Dieu. Je vous pose la question, dans quelle école des prophètes Jean-Baptiste a-t-il été formé? Il est allé dans le désert, il en est ressorti 21 ans plus tard avec l'insigne du Seigneur, prêchant exactement comme les Saintes Écritures. Je vous pose la question, dans quelle école Jésus, quand il fut né, a été inscrit pour connaître la parole de Dieu? À l'âge de 12 ans, il confondait les sages et les intelligents. Comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Non pas s'ils sont formés. Qui les envoie? C'est Dieu lui-même. Il est celui qui les choisit. Il est celui qui les appelle. Il est celui qui les remplit de sa parole et de son esprit. Il est celui qui les envoie. Regardez quand les disciples de Jésus, souvent les gens ont une confusion dans leur tête. Et ils parlent des disciples, parfois ils parlent des disciples, parlent des apôtres. Non, la Bible est claire. Jésus a choisi 12 disciples. Premièrement, c'était des disciples. Il n'a pas choisi 12 apôtres. Jésus a choisi d'abord 12 disciples. Après avoir mis sa parole en eux, et après avoir mis son esprit dans 12 moins 1, Judas qui s'est suicidé parce qu'il n'était pas la bonne semence, c'est maintenant qu'il les envoie. Il dit dans Jean chapitre 20, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comment le Père a-t-il envoyé le Fils? En venant habiter dans le Fils. Moi aussi maintenant, j'habite en vous et je vous envoie. Et la Bible dit qu'ils sont partis prêcher. Et le Seigneur travailla avec eux et confirmait la parole du prêché par des puissants miracles. Vous comprenez? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et la manière d'envoyer de Dieu, c'est de venir habiter en vous. Jésus disait, Jean 14, les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est le Père qui demeure en moi. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les dis, qui les fait, c'est le Père qui demeure en moi. Et de même manière que le Père m'a envoyé, les disciples sont devenus après, parce que le mot apôtre signifie envoyé. De même manière que le Père m'a envoyé en venant habiter en moi, moi aussi je vous envoie. C'est dans Jean chapitre 20. Je peux relire un peu, parce que je cite des passages, mais parfois les gens ont besoin de connaître les Écritures. Jean chapitre 20, verset 21. Il est dit, Jésus leur dit de nouveau, c'est quand il leur a apparu là, et après sa résurrection, et là il leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, verset 22, il souffla sur eux et leur dit,
recevez le Saint-Esprit. Et verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront tenus. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Là, c'était la promesse. Il a soufflé ce « recevez le Saint-Esprit ». Parce que dans ce service, il faut le Saint-Esprit. Dans cet envoi, il faut le Saint-Esprit. De même que le Père m'a envoyé en habitant moi, de même je vous envoie aussi, et afin que vous puissiez accomplir le même travail. Et puis, il souffle sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Je rentre dans Romains 10 là. Comment est-il les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, c'est Ésaïe chapitre 52, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parce que ce sont des personnes que Dieu a minutieusement choisies. Vous savez qu'un soldat Tarse, qui était un rebelle à l'époque, en tant que soldat Tarse, il était un rebelle à Dieu, à sa parole. Et quand il a rencontré sur le chemin de Damas, et que l'éclat de la lumière l'a rendu presque aveugle, et qu'il a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Il lui dit, rentre à Jérusalem, plutôt à Damas, et quelqu'un te dira ce que tu dois faire. Et quand il est allé dans une certaine rue qu'on appelle la droite, en pleurant, se souvenant de tout le mal qu'il a fait aux chrétiens. Il ne voulait pas entendre parler de ce nom-là. Qu'il en empêchait sa dénomination, les pharisiens. En même temps, Dieu parle à son serviteur, Ananias, qui était à Damas. Il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, au numéro tel. Il a trouvé un homme. Il est là, au salon. Il est assis dans un coin. Il est en train de pleurer. Il a une vision en cours de route. Et depuis lors, il ne mange même pas. Et quand Ananias est arrivé, regardez comment Paul rapporte cela dans Acte 22. Acte 22, commençons par le verset 12. Paul rapporte ceci en disant, « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Pendant que j'étais là, il ne voyait plus, il était devenu aveugle. Et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Il a seulement parlé. Au même instant, je recouvrais la vue et je l'ai regardé. Il n'y a pas eu d'opération de cataracte. Il n'y a pas eu d'opération de glaucome. Et je regardais et mes yeux voyaient clair. Il dit, écoutez, verset 14, le Dieu de nos pères t'a destiné, oh là là, que c'est merveilleux. Ce n'est pas que maintenant tu vas entrer dans une école de théologie, on va te former, tu vas suivre des leçons d'affermissement. Première leçon, deuxième leçon, troisième leçon, quatrième leçon, comme j'ai vu, un ami qui prie dans une dénomination quelque part, avec un cahier, avec des leçons d'affermissement. J'avais aussi une dame quelque part, avec des leçons comment chasser les démons. Première leçon, deuxième leçon, Jésus a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Il n'y a pas de leçon à suivre. Nous chassons les démons, non pas selon les leçons que les hommes nous enseignent, mais nous chassons les démons avec... Donc, avec l'Esprit de Dieu, avec le nom de Jésus. Et Ananias dit à Saul, recouvre la vue. Au même instant, je couvre la vue, je le regarde. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné.
Donc tu étais destiné depuis longtemps, même pendant que tu étais fasciste, à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Un homme connu d'avance, appelé sur le chemin de Damas, confirmé par Ananias, il t'a destiné à connaître sa volonté, première chose. Il t'a destiné à voir le juste, deuxième chose. Il t'a destiné à entendre les paroles de sa bouche. Pourquoi? Parce que tu le serviras de témoin, de prédicateur, partout où tu iras. Saul ne s'est pas appelé lui-même. Tu le serviras de témoin. Il va t'envoyer. Et avant qu'Ananias ne vienne, Dieu avait parlé à Ananias. Regardez ce qu'il lui a dit dans Actes chapitre 9. C'est là où il y a eu la rencontre avec le Seigneur. Dans Actes chapitre 9, quand le Seigneur lui a dit d'aller chercher cet homme dans cette rue qu'on appelle à droite, Actes 9, verset 11. Et jusqu'au verset 16. Écoutez, la prédestination. Oh, tu vas dans une école du quartier là, où on forme des pasteurs en 3 mois. Ça n'existe pas. Il dit ceci, verset 10. Or, il y avait Ananias, un disciple nommé Damas, il se nommait Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Dieu ne connaît même pas notre nom. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, écoutez, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout cela, je voulais vous montrer que Dieu accomplit son œuvre uniquement avec sa postérité. Selon ce que nous avons toujours lu dans le psaume 22, le psaume 22, au verset 31, verset 32, et il est dit, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand il viendra, il annoncera sa justice. Il annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. La postérité le servira. Après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, Ésaïe 53, verset 10, il verra une postérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel, pas l'œuvre de la communauté, prospérera entre ses mains. Et l'apôtre dit, nous sommes ouvriers, 1 Corinthiens chapitre 3, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu n'utilise pas des incrédules pour son œuvre. Dieu utilise sa postérité qui sont, pour le Nouveau Testament, qui sont les membres de son corps.
Et les membres de son corps, ce sont des personnes qui ont entendu la véritable parole, qui ont cru cette parole, et qui ont été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ces membres du corps, ce sont des personnes prédestinées que Dieu a connues d'avance, que Dieu a appelées, que Dieu a remplies de sa parole, que Dieu a scellées de son Saint-Esprit. Et ce sont des personnes qui sont qualifiées pour pouvoir prêcher la parole parce qu'ils ont en eux le témoin fidèle qui va leur permettre de prêcher la parole de Dieu avec exactitude. Quelqu'un qui prêche la parole, qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne prêchera jamais la parole avec exactitude. C'est là pour vous comprendre, vous, mes frères du message. Ne m'en voulez pas de vous dire ces choses. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous dise la vérité. Tous ces gens qui sont dans des fausses doctrines, qui ont des grandes églises, qui ont des comptes bourrés des centaines de milliers, même des millions de dollars dans notre pays, et qui vous prêchent des fausses doctrines, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été appelés. Ils ne sont pas nés de nouveau. Dieu ne le connaît même pas. Ce sont des ouvriers de l'iniquité. Et je ne dis pas ça pour dénigrer qui que ce soit. Et je vais préciser encore. Tous ceux qui prêchent, toutes les interprétations sur les sept tonnerres, ils n'ont pas le Saint-Esprit. En conséquence, Dieu les a jamais appelés. Ils rendent un service à Dieu dans leur communauté en dehors de sa volonté. Et je peux dire ainsi, dit le Seigneur. Tous ceux qui prêchent que Branham est Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été appelés. Leur place n'est pas la chair. Ce sont des séducteurs possédés par beaucoup de démons puissants qui sont mordus par ce serpent jaune et noir dont Frère Branham parle dans la prédication « Le serpent écrasé ». Ce serpent qui est en train de mordre les gens pour leur faire croire que Branham est Dieu. Frère Branham en parle. Il donne la couleur de ce serpent. C'est un démon jaune et noir. Il voulait le tuer avec sa carabine. Un frère, non, frère madame, ne te dis pas qu'il prend un bâton. Le temps qu'il prenne, il est entré dans une flaque d'eau et a disparu. C'est-à-dire que ce serpent n'est pas mort. Et cette flaque d'eau, Apocalypse 17, verset 15, ce sont des foules, ce sont des nations, ce sont des langues. Il a commencé à mordre au Canada, aux États-Unis, et ce serpent est dans notre pays. Vous trouvez des gens qui dansent au nom de Branham. Qui ont des pancartes de Branham sur leur poitrine, d'autres sur le dos, qui baptisent des gens avec la photo de Branham sur leur tête. Je vous dis ouvertement, ce sont des personnes possédées par des démons, et des démons puissants. Ils ont besoin de délivrance. Et pour être délivrés, ils doivent venir avec de véritables serviteurs de Dieu. Pour qu'ils invoquent le véritable nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, ce n'est pas Branham. Le nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Afin qu'ils soient délivrés. S'ils ne le font pas, au jour du jugement, ils verront qu'ils ont suivi des choses de néant. Tous ceux qui prêchent aujourd'hui que le message c'est la polygamie, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été appelés. Ils ne font pas partie de la semence royale d'Abraham. Ils ne font pas partie. Ils ne font qu'ajouter les femmes au nom de la polygamie. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui prêchent que Jésus est venu en 1963, là sur le Saint Mountain, la montagne du soleil couchant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je vous dis simplement, vous mes frères,
si vous avez l'occasion de m'entendre, ne fermez pas votre téléviseur. Ne changez pas de chaîne. Je vous dis, sortez de là. Sortez avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que le bateau est en train de couler, comme le Titanic, c'était un grand bateau. Pendant qu'il est en train de couler, sautez hors du bateau, entrez dans les barques de sauvetage. Venez à Christ. Je vous le dis, je vous en supplie, au nom du Seigneur. Si vous doutez de ce que je vous dis, mettez-vous à genoux. Demandez au Seigneur. Vous qui croyez, oh les tonnerres, allez demander à votre pasteur. Les tonnerres ont dit quoi? Et vous allez voir, c'est un menteur. Il ne saura pas vous répondre. Il ne saura pas vous répondre. Là où la Bible s'était, nous le taisons. Même où l'homme de William Branham n'a jamais dit ce qu'on dit les sept tonnerres. Et nous voyons que combien ont-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Et pour être envoyé, il faut d'abord être appelé. Être appelé, être équipé, rempli, être scellé du Saint-Esprit, expérimenter la nouvelle naissance, et c'est seulement après que vous pouvez maintenant partir dans le champ de mission. Le Seigneur a dit à ses disciples, avant qu'ils deviennent des apôtres, il dit, demeurez à Jérusalem. Acte chapitre 1er. Demeurez à Jérusalem. Et notre Jérusalem à nous, c'est demeurer dans la parole. Écoutez la parole. Mangez la parole jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. N'allez pas prêcher avant que le Saint-Esprit ne soit là. Nous avons la confusion aujourd'hui dans le message à cause de tous ces faux prédicateurs. Les gens qui se sont envoyés eux-mêmes. Les gens qui ont commencé à prêcher parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ne savent pas comment vivre. Ils ont trouvé que le métier de prédicateur, c'est un très bon métier. Être prédicateur n'est pas un métier. Être prédicateur, c'est un service. Et vous êtes au service des enfants du Très-Haut pour leur apporter la nourriture spirituelle autant qu'on l'a. Alors dans Actes chapitre 1er, verset 4, de ce que vous dites sur verset 8, il dit, comme il se trouva avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous annonçais, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. C'est seulement en ce moment-là que vous serez mes témoins, des vrais témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et nouait le dérobat à leurs yeux. Ce sont les dernières paroles. Attendez. Alors pour devenir... être cette postérité et qui va annoncer sa justice, qui va proclamer son œuvre, il faut être membre du corps. Alors allons rapidement dans Éphésiens au chapitre 1er, donner quelques écritures qui confirment cela. Comment entre-t-on dans le corps? Comment entre-t-on dans le corps? Éphésiens chapitre 1er, je lis le verset 13, le verset 14. Là, il est écrit, en lui, c'est-à-dire en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, pas n'importe quelle parole, l'évangile de votre salut, pas l'évangile de votre perdition, il y a l'évangile de la perdition aussi. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, il y a le processus ici. D'abord, entendre la vraie parole, la parole de la vérité. Premièrement.
Deuxièmement, vous devez croire cette parole. Et quand vous croyez, troisièmement, Dieu vous scelle du Saint-Esprit, qui est une promesse du Père. Et verset 14, il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous devez d'abord écouter la parole. La parole de la vérité, ce n'est pas la parole des dénominations. Ce n'est pas la parole des groupes de prière. Ce n'est pas la parole des églises de réveil. Tout ce monde. Vous savez, nous sommes aujourd'hui comme du temps de Jean-Baptiste. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, je l'ai toujours lu, et je le répète à cette heure, que cela pénètre bien, que les religieux me pardonnent. Si vous changez de chaîne, c'est votre problème. Au jour du jugement, vous vous posez la question, pourquoi tu as changé de chaîne? Cet homme qui te parlait, il te parlait à mon nom. Regardez ce qui s'est passé du temps de Jean-Baptiste. Du temps de Jean-Baptiste, au verset 6 de Jean chapitre 1er, il est écrit, il y eut un homme envoyé de Dieu, pas envoyé par une communauté. Toi, la communauté t'a envoyé et t'a donné un uniforme, costume noir, costume violet, ceci, et t'a donné des chemises rouges, chemises violettes, chemises blanches, et puis un petit col romain là, que tu mets autour du cou, pour qu'on te voie que tu es pasteur. Nous devons nous revêtir de Christ, pas de tout ça. Donc, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Donc, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, chacun devait fermer son lit gabelot. Et ils devaient tous aller au Jourdain pour écouter Jean-Baptiste. Tous devaient croire par lui. Pas une partie croit par lui, une partie par les pharisiens, une partie. Non, Dieu n'est pas dans l'œcuménisme. C'est la même chose aujourd'hui. Je peux dire aujourd'hui, il y eut un homme appelé William Branham. Un homme envoyé de Dieu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était William Branham. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, au temps du soir de la lumière. Et afin que tous, toutes les dénominations confondues, croient par lui. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que il était le porte-parole de Dieu dans cet âge. Il était le seul qui avait la parole révélée pour cette heure. Il fallait que toutes les églises ferment leurs portes et disent aux gens, écoutez cet homme-là. Il nous dit les paroles de vérité. Nous avons traîné dans des choses de néant pendant longtemps. C'est pourquoi je peux dire aujourd'hui, ce message que vous écoutez est venu rendre témoignage à la lumière. Et il est question que tout le monde croit au travers de ce message. Et au verset 9, et verset 8 et verset 9, il dit, il n'était pas la lumière, mais il vint, il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion. C'est pourquoi, chaque fois de nos messages, de nos émissions, je vous dis, je vous salue, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre coloration spirituelle, parce que ce message est imposable à tout homme sur la terre. Donc vous devez d'abord écouter le message ou la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut. Vous devez croire en cette parole, et c'est seulement après que Dieu vous scelle du Saint-Esprit qui avait été promis. Et cela vous introduit dans le corps. Selon 1 Corinthiens chapitre 12,
1 Corinthiens chapitre 12. Je sais que les choses que je dis sont difficiles à avaler, surtout pour les religieux. Mais ne m'en voulez pas. Le monde dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais ici, toute vérité est bonne. Parce que la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour redresser, ainsi de suite. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, d'abord, je prends le verset 4 jusqu'au verset 6. Et là, il est écrit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères dans l'Église, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et au verset 11 du même chapitre, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, dans l'Église, c'est la volonté de Dieu qui se fait. Ce n'est pas quelqu'un qui s'établit, non, je suis évêque et je suis super, c'est pas moi, archibishop. Il n'y a pas de place de cela dans l'Église. Il y a beaucoup d'aventures, des gens qui se donnent de nom. Je suis prophète, je suis apôtre, je suis ceci. Et qui n'ont aucun contact avec le Seigneur. Donc pour servir dans ce corps, il faut être membre du corps. Il faut devenir membre du corps. Et pour devenir membre du corps, il faut écouter la vraie parole. Vous tous qui aspirez même au, qui un jour servez le Seigneur, vous devez absolument écouter la parole de la vérité qui est ce message. Obligatoire. C'est le chemin obligatoire. Tu dois mourir à ta communauté. Tu dois mourir à ta dénomination. Et pour recevoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas passer par un autre chemin. Vous devez entendre ce message. Vous devez le croire. Vous devez avoir la révélation que Dieu nous a envoyé un prophète puissant sur toute la terre et que la parole qu'il a portée, elle est imposable à tout homme sur la terre. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 12, regardez ce que l'apôtre déclare du verset 27 au verset 30. Je vais seulement vous montrer que seule la postérité le servira. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oui, nous avons des particularités, mais nous sommes les membres du corps et le même Saint-Esprit nous anime tous. Écoutez, et Dieu a établi dans l'Église, écoutez attentivement, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner ou de diriger, de parler vers l'homme. C'est-à-dire que Dieu a placé dans l'Église. Ici, vous ne trouvez pas que Dieu a établi dans l'Église des cardinaux. Ça n'existe pas. Il a établi des archevêques. Ça n'existe pas. Il a établi des généraux, des capitaines, des sergents, ça n'existe pas. Revenez à la vérité biblique. Vous êtes dans une église, on vous donne le vêtement commun, comme un uniforme militaire, on vous met des galons, ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des choses arrangées par des hommes. Et vous trouvez dans certaines églises, je vais en Afrique du Sud, des gens habillés vraiment comme des policiers, avec des képis dans l'église. Je vois même dans vos clips, hein, les clips soi-disant des chrétiens, des hommes qui adorent le Seigneur avec des chapeaux, avec des képis. D'autres voient même des hommes dans certains soi-disant orchestres chrétiens, avec des hommes avec des cheveux tressés, avec des boucles d'oreilles, les femmes en pantalon, ça n'en parle même pas, en collant, en train de se trémousser sur la piste là, Jesus, Jesus, Jesus. Ça a de la puanteur aux narines de Dieu.
Mais vous aimez ça? Ah, ça c'est vraiment la musique chrétienne. Ce n'est pas la musique chrétienne. C'est une musique diabolique. La musique chrétienne, elle glorifie Dieu d'un bout à l'autre. Ces femmes fardées, maquillées, habillées d'une manière immorale, dans des pantalons serrés, toute leur nudité dehors. Vous dites ça? C'est l'adoration du véritable Dieu. Lui qui est saint va supporter de tels spectacles. Au jour du jugement, vous répondrez pour cela. Dans vos églises, vous laissez de jeunes filles mal habillées passer devant en train de se trémousser. Vous répondrez, cher pasteur, au jour du jugement. Tous sont-ils apôtres, verset 29. Tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous partis en langue, tous interprètent-ils. Non, chacun a sa particularité, mais ils ont tous un point commun, le même esprit les conduit dans toute la vérité. La postérité le servira. Et quand elle le sert dans la sainteté et dans la pureté. Elle ne le sert pas avec des danses mondaines, avec du reggae, avec du boogie-woogie, du rock'n'roll, d'indombolo, non. Dans la présence de Dieu, on vient avec révérence, on vient dans la sainteté et dans la pureté. Mais bien mes frères, la postérité le servira. Que Dieu vous aide à comprendre ça. Tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne sont pas serviteurs de Dieu. Tous ceux qui se disent apôtres ne sont pas apôtres. Tous ceux qui disent prophètes ne sont pas prophètes. Mais Dieu a des vases qu'il a choisis, qu'il a appelés, qu'il a remplis et qu'il a envoyés. Et ces gens-là, c'est le que Dieu envoie. Il est dit les oracles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde seulement des choses les meilleures. Aimez-moi. Nos émissions sont un peu spéciales, je sais. Et je sais que beaucoup de pasteurs me suivent, je le sais. Et si vous suivez, chers collègues, revenez à l'évangile, revenez au pur évangile, et Dieu vous bénira. Ne soyez pas dans cette catégorie qui viendront dire, Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom, je ne vous connais même pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je voudrais que vous soyez sauvés. Et ne vous cramponnez pas dans vos titres. C'est pas moi, dans l'église, parce que vous êtes quelqu'un. Non, votre âme, vos chairs. Humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant. Si c'était de sa volonté, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.